Libérer le daimon Shanka avec une vidéo. Alors voyez un peu l'accoutrement étudié pour, comme il disait l'autre, c'est étudié pour avoir biqué. T'arrives à sortir là? Voilà. Alors, on regarde. Tu connais ici, t'es déjà venu. T'es déjà venu là, hein? Regarde ça. T'es déjà venu là, hein? Je connais la mire. Attends, t'es coincé un peu. Fais voir. T'arrives à sortir? Ah oui, vois le renard. Oh, alors c'est un renard. Alors ça, les renards, ils aiment bien les petits chats. C'est pour un renard, un chat, c'est une chocolatine. Ou pain au chocolat, ça dépend si on est nordiste ou sudiste. Je sais plus où c'est. La moitié de la France qui dit pain au chocolat, puis la moitié qui dit chocolatine. Mais enfin, il y a pire maintenant que ça. Allez, sors, Biki. Bon, bah, tu sortiras après. Bon, ben voilà. Et on est arrivé, ça y est. Attention to all decks, this is the captain speaking. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants, fondé par George Sand et tous les grands esprits du 19e siècle, qui n'auraient plus le droit de parler aujourd'hui, bien entendu. All right, let's do it. Ici, refuge de la mire. Ouais, non. Mais il y a des ours, des loups, liberté, liberté chérie, on est en pleine liberté ici. Voilà, de jour comme de nuit, liberté, liberté. Alors vous n'êtes pas en liberté où vous êtes, eh bien déménagez dans des endroits comme ça. D'ailleurs tout ce qui est à vendre ici se vend en ce moment, parce que les gens se barrent des villes et des plaines où ça va être bientôt. K.O., c'est-à-dire Ordo ab K.O., c'est-à-dire il y a d'abord K.O. et puis il y a Ordo après, voilà. Cherchez, on va pas vous donner tout à la petite cuillère, non, quand même, voilà. Alors, je suis obligé de faire une présentation ici, de plusieurs intros, de plusieurs vidéos, dont certaines ne pourront pas être mises sur YouTube, parce que sur YouTube, les grands esprits dont j'ai parlé là, du 19e siècle, et même les grands esprits d'aujourd'hui, même les moyens esprits, enfin tout ça, n'ont plus le droit de parler sur YouTube. Parce que sur YouTube, il n'y a plus de liberté. Vous entendez les surveillants cette génération là? Vous entendez? Il n'y a plus de liberté sur YouTube. On n'est plus libre de dire ce qu'on veut sur YouTube. Mais c'est fini ça. C'est fini. Pourtant, votre société est américaine. Hein? Et en Californie, où on a beaucoup de liberté pour parler, où ça parle beaucoup. Hein? Et puis, c'est un pays là-bas. On ne va pas l'appeler les USA, parce que c'est plus USA depuis longtemps, c'est US Corporate, mais ça ne fait rien. Ils ont quand même gardé dans leur texte ou leur façon de fonctionner, la liberté de la presse. La liberté de la presse. Même s'ils essayent de liquider, mais reste une liberté de la presse. Hein, y a qu'à regarder Jesse Ventura, qui avait fait des émissions de télé, pour tout dénoncer. Il y a qu'à regarder Alex Jones et Infowars, qui continue. Bon, il y a de la censure, hein, puisque le Texas Ranger a été clic, et beaucoup d'autres ont été clic. Bon, mais c'est pas grave. Alors, voilà, je suis obligé de présenter des intros, donc sur des sujets qu'il n'est pas possible de mettre là, sur YouTube. Alors, ça va mufler hein, pour votre matricule, hein, numéroté vous abattis, hein, tous ceux qui travaillent à YouTube. Parce que quand il va y avoir une retombée, pas mécanique, oui, comme les remontées mécaniques, les retombées mécaniques qu'il va y avoir, de votre siège social au US Corporate,
parce qu'on est plusieurs à faire des grosses réclamations, que la liberté de la presse a été supprimée ici par vous, et par d'autres, par vous sur ordre de on sait pas qui, mais c'est pas grave. Hein? Alors, en avant pour les intros. Alors, je voudrais faire une vidéo avec des chansons, comme j'ai déjà expliqué. Seulement, ces chansons ne peuvent plus se mettre sur YouTube. Non. Non, non, non. On peut mettre des chansons imbéciles, des trucs de geeks, des trucs de jeux vidéo, des horreurs. Je reparlerai plus tard des horreurs que vous laissez sur YouTube, hein, alors que vous empêchez d'autres choses qui sont vraies, mais il y a plein d'horreurs que vous laissez. Et c'est pareil au niveau des chansons. Vous laissez tout le music business avec des démonstrations sataniques, des démonstrations de mimer du sexe sur scène par toutes les grandes stars de la music business. Et ça, ça vous l'enlevez pas. Ça, vous laissez, ça. Ben oui, ça rapporte du pognon, ben ça fait des dizaines de millions de vues. Ben oui, c'est question de money, hein. Vous êtes une société quand même pour le money, hein. Profit. Chanson. Non, interdit. Oh ben avant, il y avait des chansons, même en France. Moi, je sais pas, moi, les chansons de la première révolution qui a suivi celle de 89, qui était la révolte des canuts à Lyon, c'était des chansons de protestation du peuple pour la liberté, quand même, avant. Ça faisait partie de la culture en France, hein. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Je ne vous mettrai pas la chasuble, mais je vous montrerai la coiffe de celui dont on cause dans la chanson, des canuts. Parce que la coiffe qu'il a, le chef des papistes là, vous la retrouvez dans des anciens dessins, des anciennes gravures, des anciens manuscrits qui remontent à Babylone, hein, à toute la religion sumérienne, dont le Rome, avec sa religion, a fait un copier-coller pur et simple. Vous voyez ce que dit un collègue journaliste qui s'appelle Pierre Jovanovic, qui a longuement expliqué la question et qui a écrit des livres, 666, 777, qui a expliqué d'où venait donc la religion chrétienne, d'où elle avait été pompée et copiée-collée. Alors ça, c'était la chasuble. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban en sautoir. Alors, le ruban en sautoir, je ne sais pas exactement ce que c'était au début du 19e dans la révolte des canuts, mais c'est l'équivalent de l'écharpe bleu-blanc-rouge, n'est-ce pas? Pas. Que les grands manitous qui sont envoyés par chaque commissariat de grande ville chaque fois qu'il y a des manifs, et c'est ceux qui portent ce ruban en sautoir, la bleu-blanc-rouge, qui donnent les ordres aux forces de Ordo Abkao, bon, je vois, de massacrer le peuple qui manifeste pacifiquement et paisiblement. C'est ça, le ruban en sautoir. Alors, il y a eu des chansons, mais il y en a plein. Il y avait Guy Béard, celui qui dit la vérité, il doit être assassiné, tout ça. Alors, ça, c'était des chansons de protestation, mais il y en a plein, il y en a des kilomètres. Mais on n'a plus le droit de mettre ça sur YouTube. Non, 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 c'est interdit parce que il faut pas parler de liberté ni rien du tout. Il faut rien dire contre la pensée unique. Voilà, c'est pour ça. C'est l'histoire des chansons. Donc je vais mettre une vidéo avec, peut-être je refais une petite intro, oui, avec une chanson qui a été chantée dans le Rassemblement pour la Liberté et contre les lois liberticides actuelles, qui ne sont que ça, et pour rien d'autre que des lois liberticides, ou des décrets, pour la plupart du temps c'est des décrets, qui contredisent des lois qui sont au-dessus, mais c'est pas grave, ça les gêne pas. Alors donc à Trafalgar Square, il y a toujours eu de gros meetings, mais il y a eu un meeting où il y avait un gars qui avait chanté une super chanson,
Nous sommes les 99%, voilà. We are the 99%. Qu'on ne peut pas mettre sur YouTube, parce qu'il y a plein de mots dedans, de mots-clés, qui sont interdits aujourd'hui sur YouTube. Voilà. Merci les réseaux sociaux qui aident les gens à communiquer sur le monde entier pour qu'on puisse s'informer de ça. Merci, merci. L'autre chanson va être une chanson d'un autre rassemblement au Québec, organisé par quelqu'un qui a été banni de partout, y compris par vous. Par vous, mais oui, vous bannissez tout le monde, vous, c'est simple. Ben oui. D'où ça vient les autres qui vous disent de bannir tout le monde? Oui, on s'en doute. C'est pas là. Non, non, ne répondez pas. On sait très bien d'où ça vient. Donc là, il y avait un rassemblement plus ou moins organisé par celui qui a été banni complètement. Et il y a aussi une super chanson qui a été chantée par des Québécois, c'est-à-dire nos cousins du Québec. Hein? Ils ont chanté une superbe chanson. Alors, il faut que vous l'ayez, cette chanson. Mais vous ne l'aurez pas sur YouTube. Voilà. Parce que YouTube ne veut pas que vous l'ayez. Alors, pourquoi vous restez sur YouTube? N'y restez pas, puisque ils veulent pas que vous regardiez, que vous écoutiez un grand nombre de choses. Alors dégagez de YouTube, dites-leur. F off. Leave me the F alone. Dites-leur ça. Alors ça, ce sera une vidéo spéciale que vous retrouverez sur Odyssée, sur ma chaîne, Golden Star Seed sur Odyssée. Et si vous avez du mal à faire tourner Odyssée, vous la retrouvez sur Rumble, où il y a beaucoup, justement, de tous ceux qui ont été bannis, qui se retrouvent également sur Rumble, qui est moins couru que Odyssée, donc ça risque de mieux passer sur votre ordi, si vous n'avez pas une bonne connexion. Ça, c'était pour présenter la vidéo sur les chansons. On va continuer. Pour chanter béni créateur, il faut avoir chasuble d'or. Pour chanter béni créateur, il faut avoir chasuble d'or. Nous en tissons pour vos grandes églises. Ouais, intro sur une autre vidéo que la pensée unique vous interdit catégoriquement de regarder sur YouTube. Donc là non plus, elle sera pas sur YouTube, elle sera sur Odyssée Golden Star Seeds et sur Rumble, voilà. Pas le droit de la mettre là, non. Parce que ça fait un peu pendant à la tour de Düsseldorf qui vient de s'allumer, mais dans l'autre sens. Dans le sens contraire. C'est-à-dire, ce sont tous ces sommités mondiales, scientifiques, de grands professeurs, de grands médecins, etc., qui vous disent la vérité. Mais comme la vérité n'est pas de mise sur YouTube, bien que la société américaine YouTube crie haut et fort avec la façon de faire aux États-Unis, où il reste encore une liberté de la presse, tout est relatif. Mais ça fait rien pour vous, les petits Français ou francophones, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Cette pensée est à quelque chose qui n'est pas de la pensée unique. Donc, je viens de trouver un interview sur une chaîne allemande. Parce qu'en Allemagne, comme dans certains pays, hein, il reste des chaînes plus ou moins, on va dire, alternatives, où on dit la vérité, hein, qui ne sont pas la même chose que la pensée unique que vous avez sur vos télévisions, sur votre machine là, que vous avez encore projetée par la fenêtre, comme les Grecs. Ah bon? Mais vendez-la sur le bon coin, et puis, je ne sais pas moi, faites quelque chose avec ça. Faites des leaflets, des papiers à mettre sur l'affichage public, je sais pas moi, pour donner des informations aux gens, voilà, qui ne trouveraient pas autrement, voilà. Hein, faites quelque chose de bien avec ça. Donc ça fait pendant, parce que je viens de trouver un super, incroyable professeur spécialiste, docteur allemand, qui a 96 ans, qui a le haut là, qui marche, mais alors, à Warp 5, Warp 9, Warp 10, vous savez, qui va plus vite que les années-lumière.
À 96 ans, il a fait donc une interview sur une chaîne allemande alternative. Hein, voilà. C'est du top niveau. Comment, avec les fréquences, on peut influencer la pensée du cerveau. Voilà. Ah non, pas ici, pas le droit. Non, non, mais c'est pas pour YouTube. Non, non, mais c'est pas pour YouTube. Non, 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 là, c'est pas. Non, elle n'est pas sur YouTube. Elle est là où j'ai dit. Odyssée et Rambo. Voilà. Rumble. R-U-M-B-L-E. Rumble. Voilà. C'est incroyable. Top niveau, parce que ça fait totalement un complément aux vidéos que j'ai déjà mis, que vous retrouvez sur mes chaînes, du docteur neurochirurgien américain Russell Blaylock, B-L-A-Y-L-O-C-K, qui a fait une vidéo récente que j'ai mise en coyote, hein, en coyote. Alors c'est une vidéo qui parle de ces trucs-là. Ah oui, David I, l'anglais là, journaliste, et il appelle ça des face nappy, c'est-à-dire des nappes faciales. Vous savez, comme la nappe qu'on utilise quand on mange là. Voilà. Et tu te la bouches avec ta nappe. Oui, oui, papa, oui, maman. Voilà. C'est face nappy, c'est la nappe faciale. Voilà. Alors donc, il y a une bonne vidéo de Dr. Russell Blaylock, professeur neurochirurgien, sur la nappe faciale. Et il y a eu également dans mes chaînes, j'ai dû faire une traduction, une explication de Russell Blaylock sur les chanterelles. Vous savez, les champignons là, qu'on voit dans le ciel, là, puis qui maintenant même sont envoyés... comme c'est dans Star Wars là, quand il lui dit je te mets General Bomba, voilà. Alors c'est les généraux d'ailleurs, hein, qui envoient ça là-haut. Alors le docteur Russell Blaylock a très bien expliqué aussi les effets de ces champignons là-haut, ces machins dans le cerveau, ce que ça fait, ça rendre et tout ça, avec les nonos, le petit robot et des tas de choses comme ça. Donc cette vidéo de ce professeur allemand fait complètement pendant aux autres vidéos et aux informations du docteur neurochirurgien américain Russell Blaylock. Top niveau à ne pas manquer. Non, ce n'est pas sur YouTube. Il faut que vous partiez de YouTube. Vous faites comme dans l'infanterie. Tu te tires ailleurs et tu vas t'inscrire sur Odyssée, Rumble et sur la chaîne qui est pour nous autres, les gardiens de l'humanité et les lanceurs d'alerte et de tout ça, qui s'appelle solidarita.net. Solidarita.net. Voilà. Ça, c'était l'intro donc. Pour cette super interview de ce professeur docteur allemand sur comment on contrôle la pensée des gens là en utilisant des ondes qui vont dans le cerveau, sans parler de tout le reste qu'on mettra dans le cerveau, puisque vous avez vu que Elon Musk a eu une autre idée fumante encore récemment. Oui, c'est un des Big Brother bienfaiteurs de l'humanité, Elon Musk. Je vous mets des fois sa tronche dans les vidéos. Ouais, il a une tête de Big Brother, mais... Ah, il devrait aller lire Big Brother, celui-là. Ouais. Alors ça, c'était l'intro pour donc le professeur allemand. Regardez ça, c'est top niveau, et vous le partagez partout. Ben, si les endroits où vous êtes sur YouTube vous les refusent, ben, les font sauter, ben, c'est pas grave. Hein. Tout ça, on a dit, on fout le camp de YouTube, on vous laisse tomber, on vous amène plus d'argent sur YouTube en amenant des gens, des vues et tout ça. C'est fini ça, c'est votre YouTube, votre business, il va s'écrouler plouf comme ça. Allez, c'était bon pour le professeur allemand, on y va. Your life as it has been is over. Resistance is futile. This is the captain speaking on behalf of the zone number 7 zone. Il y a 7 zones sur la Terre. Je ne sais pas comment, quel numéro c'est celle-là. Enfin, c'est une des zones de communication avec un commandeur
qui se trouve là-bas, hein, et ceux qui connaissent et qui sont déjà venus par ici, ben vous connaissez. Donc la base qui se trouve là-haut, où il y a eu des ovnis de vue, des grands cigares, des tas de choses, des vaisseaux sphériques, tout ce qu'on veut. Allons-y. Donc on est très bien là, on est juste en face d'une base de communication. C'est impeccable. On continue avec les Galactic Com. On a encore juste un peu de soleil. Merci soleil. Juste pour faire ça un petit peu avant que ça ne disparaisse. On est super bien là. This is just great. On continue les Galactic Com parce que je crois que vous aimez ça. Alors Galactic Com, Corton. Je crois que le sujet que je vais mettre là, Galactic Com, sans doute va être les outils pour nos équipages. Ce serait bien. Alors, toujours dans les grands amphithéâtres galactiques, hein, dans les vaisseaux-mères qui font parfois 1600 km de long. Oui, c'est des villes spatiales, des continents spatiaux. Ils sont en orbite dans le système solaire, où il y a de grandes réunions, etc. En avant, Corton, il y a quelque chose à dire là. Salutations dans la lumière de notre radiant, je suis Corton. Il s'adresse à beaucoup de monde, donc il dit tous les lords et ladies, c'est un truc anglais, mais c'est, on va dire les représentants respectés et honorés de beaucoup de monde, de beaucoup de galaxies et d'endroits encore plus loin. Oh, c'est beaucoup plus loin que ce que l'autre il dit avec sa Heineken, oui. C'est mon privilège d'être avec vous et de vous apporter un certain nombre de pensées concernant le sujet qui nous occupe en ce moment. Hein, nous avons été très actifs, hein, pour organiser de plus en plus de réunions au niveau multidimensionnel galactique, où vous venez la nuit d'ailleurs. Hein. Alors, les 7 conseils qui ont à voir avec les 7 zones comme celle-là, là, sont en plein boulot. Voilà. Alors, beaucoup de préparations qui ont pris beaucoup d'efforts et de temps. Et ça s'accélère et d'une façon fiévreuse, dit Corton. Basiquement, attention, les outils de communication que nous avons proposés sont à peu près identiques à toutes les 7 divisions. Cette division, cette zone, etc. Ce n'est pas nécessaire qu'elles soient les mêmes en apparence, mais les fonctions sont les mêmes. Alors, les besoins de chaque groupe ont été donnés, présentés, et il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place de façon très ingénieuse, qui ont été amenés, et qui vont coordonner avec tous les autres dans toutes les fonctions qu'ils font, hein, et tous les besoins de toutes ces zones, hein, qui seront ainsi complétés. Il y aura un cristal spécial d'une certaine couleur pour chacun, qui indique immédiatement le groupe auquel appartient cette personne, où cette personne est assignée par résidence, hein, assignée en tant que membre d'équipage, et qui indique également le commandeur de secteur. Alors ce cristal, il est multidimensionnel évidemment, hein. Il peut avoir une résonance avec des cristaux qui vous arrivent comme ça, mais il est multidimensionnel, il est avec vous tout le temps. Il est un peu présent dans votre champ d'énergie, comme les synchronisateurs dont j'ai déjà parlé. Revoir toutes mes vidéos synchronisation des équipages dans les chaînes où il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Ce cristal sera en phase avec les vibrations de celui qui le porte
et qui est en contact direct avec son vaisseau spécial de commande. Chaque équipage a un contact avec un vaisseau spécial, qu'il soit petit, navette, moyen, médium, enfin n'importe. Il y aura également un facteur incorporé dans cet outil qui va servir à la lévitation ou le transport, le télétransport, en cas d'urgence. En cas d'urgence, d'accord ? C'est un, comme un petit téléporteur, mais invisible, qui est là, voilà. Et qui va décider s'il y a une urgence et s'il faut vous téléporter ou léviter dans le vaisseau, qui s'occupe de vous. Il y a également à l'intérieur de cet outil une énergie cristalline qui fonctionne pour pouvoir donner l'invisibilité en cas de danger, c'est-à-dire que s'il y a le chaos de Ordo Ab Chaos qui arrive, puisque nous arrivons au printemps du chaos, ou au printemps de la liberté, si suffisamment de vrais humains ont la conscience christique et changent tout, quelque chose au niveau quantique et remettent la ligne de temps positive en place. Mais s'il y a des temps de danger, cette fonction de ce cristal va vous rendre invisible. Voilà. Vous pouvez passer dans le chaos et vous serez invisible. Voilà. Bon, avec tous les équipements que nous allons donner, avec quoi nous allons armer nos spéciaux, nos opérateurs spéciaux au sol. Et donc je ne peux pas donner le nom parce que il est inutile que les reptiles SNAX sachent le fonctionnement de ces équipages spéciaux de Commission Corton, mais je ne donne pas le nom de ces équipages. C'est ce que j'ai déjà dit dans le temps, vous savez, là, quand je mets la casquette ou la ceinture des Navy Seals. C'est les Navy Seals de la flotte, voilà. Alors, de tout l'équipement à qui nous allons donner à nos Navy Seals, le plus formidable sera le réveil et l'ouverture de toutes les mémoires et la révélation de leurs identités et de leur mission sur la planète Terre. Nous sommes également très contents de vous apporter, enfin, le fonctionnement d'un réseau complet où vous allez pouvoir vous connecter tous les uns avec les autres et vous faire connaître de ceux qui sont comme vous et qui va vous aider à vous rencontrer physiquement en tant que co-workers en anglais, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la mission et pour ce plan. Il y aura un grand amour entre tous ceux qui vont se retrouver alors qu'ils travaillent ensemble et qu'ils s'aident les uns les autres. Il est évident que ici on parle également, puisque tout est connecté, Mitochondriacine, les plans de la flotte se reflètent ici, se manifestent ici dans des plans qui se mettent en place au sol. Et par exemple, le réseau de communication qui s'est densifié ici, on peut très bien l'appeler solidarita.net. Corton, c'est toi qui as poussé pour solidarita.net, c'est toi, c'est vrai? Ah ouais, oh, d'accord. Et puis les commandeurs de zone, oui, ah bon, ah, merci, ah ben, merci, il y avait besoin, oulot. Alors, tous ceux qui sont dans les commandes, qui patrouillent la planète, ont attendu très très longtemps pour voir cette unité et cette action de coordination se mettre en place
sur les niveaux physiques, ici, dans leur cité. Voilà, voilà, voilà. Hein? Alors, à la fois, les rassemblements qui se trouvent multidimensionnels dans la flotte et ceux qui vont se dérouler au sol ici, qu'importe les obstacles et les boîtes de conserve, de confit, de je sais pas quoi, ça fait rien, ces rassemblements auront lieu quand même. Hein. Leave me the F alone, voilà, on les fera quand même. Hein. Ainsi, à la fois là-haut et dans ce que vous allez faire ici en bas, nous allons tous, avoir une unité de but commun, ça c'est le vrai but commun, qui a été inconnu depuis des millions de cycles sur votre zone spatiale. De façon à laisser nos représentants être exposés à ce monde terrestre, nous avons pris beaucoup de précautions en planifiant tout ce qui doit être fait, en stationnant ceux qui sont une partie de la mission à travers les médias, par exemple. Avec Horton, on parlait des médias alternatifs. Oui, I hope so. Bien qu'il y en a, mais ils viennent du côté alternatif. Alors, nous pourrons faire un break simultané, un choc simultané, une révélation simultanée, avec des nouvelles informations qui vont être données, qui vont éliminer toute opposition, et qui vont au minimum nous donner à nous, c'est-à-dire nous et vous en même temps, un rapport honnête de tous les événements. Donc il va se passer quelque chose au niveau des communications et des révélations qui vont être simultanées, y compris dans tous les médias alternatifs. Note du capitaine, attention, attention, il y a beaucoup de confusion sur internet et tout, attention, attention, revoyez toutes mes vidéos de mes chaînes, j'ai donné de moult avertissements à ce sujet. D'accord, Corton? Oui, ok, Corton. Voilà, on arrête sur Corton parce que le soleil se met derrière les branches de sassafras. Non, il n'y a pas de sassafras ici. Et, mais vous voyez toujours la base là-bas. Elle est jolie. Hein. Attendez, on va essayer de faire un petit shot dessus. Voilà, alors on va arrêter Corton pour cette partie 1 des outils donnés aux équipages. Et de tous les plans qui sont en action en ce moment. Voilà, Captain Out, out, vous salue depuis la zone 5D et la zone numéro, je ne sais plus le numéro, voilà, la zone de commande numéro, un numéro qui doit rester secret. Voilà, allez, on stoppe, salut. Alors là, l'une des sept zones, hein, donc zone de communication, base vortex, vous le voyez bien sur la gauche là, où il y a beaucoup beaucoup de neige, et là, sur la droite, vous avez la pyramide, où il y a les synchronisateurs pour les équipages qui viennent. Voilà. Then, in the lines of my face, would you know me?